Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, également député national, élu de Bumba dans la province de la Mongala, a décidé de réintégrer le parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. A été, après plusieurs réflexions, pour son choix de ne pas créer un nouveau parti politique qui compte déjà plus de 1000 au pays en réintégrant l'UDPS. Jean-Pierre Liaou dit continuer à soutenir et accompagner le président de la République dans son combat, celui de bâtir un État des droits. Et après réflexion, je fais le choix de ne pas créer un nouveau parti politique dans notre pays qui en compte déjà plus de 1000. Ça n'est trop. Je voudrais d'ailleurs, en procédant ainsi, démontrer aux jeunes que pour faire de la politique, il suffit tout simplement d'intégrer un parti politique proche de ses convictions et pas nécessairement d'en créer un, même lorsque l'on est capable de le faire. Ainsi donc, j'ai décidé de réintégrer l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, au sein de laquelle j'avais déjà eu à évoluer de 1997 à 2007. Plus qu'un parti politique, l'UDPS est un patrimoine national. Elle a combattu la dictature hier et se bat aujourd'hui avec d'autres alliés pour réaliser les rêves de ses fondateurs. Bâtir un état de droit où chaque citoyen, quel que soit son rang social, est considéré et respecté. Une république où il n'y a pas d'un côté des privilégiés et des intouchables, et de l'autre côté, des moins que rien et des sans-droits. Une république où règne l'égalité des chances, la justice et le progrès social pour tous.